Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Les quatre élémentaires, la terre, l'air, l'eau et le feu, qui représentent les bases dynamiques de l'équilibre planétaire, sont passés en mode extrême. Dans ce second épisode, nous allons aborder la notion de changement climatique telle que l'expliquent les différentes factions extraterrestres. Il y a beaucoup d'idées préconçues du public, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la géo-ingénierie, des chemtrails et des stations ARP. Le public ne semble pas réaliser que les conséquences sont dramatiques partout autour de la planète. Ces personnes sont probablement derrière leur ordinateur à faire des commentaires qu'ils pensent informés sans avoir jamais été jusqu'à présent impactés par les terribles conséquences auxquelles d'autres personnes sont confrontées chaque jour. Ils sont non seulement mal informés, mais comme désensibilisés. Voici un extrait de la vidéo numéro 37 qui présente les stations ARP, à la suite de quoi je continuerai en présentant ce qu'en pensent les extraterrestres. Les changements géomagnétiques sont plus importants et plus dangereux que la pandémie de Covid-19, et c'est peu dire. Les tremblements de terre, les tempêtes, les tornades, les incendies, les inondations et les volcans et tremblements de terre font rage partout autour de la planète. Ces énormes changements climatiques sont à la fois naturels et activés artificiellement grâce aux stations ARP qui sont disséminées tout autour de la Terre. Le système ARP, en anglais, High Frequency Active Auroral Research Program, en français, Programme de recherche sur la ionosphère et la propagation des hautes fréquences radio, qui sont mesurés notamment lors d'orages magnétiques et concernent l'étude des électrogènes, des courants électriques naturels qui existent dans les régions polaires et équatoriales.
les événements climatiques s'intensifient et deviendront de plus en plus extrêmes. Ils sont tous programmés et planifiés en suivant une certaine chronologie, chronologie à la fois naturelle et chronologie artificielle. Les deux chronologies sont intimement liées. Lorsque la chronologie naturelle agit, elle impacte la chronologie artificielle. Et l'inverse est aussi vrai. Lorsque la chronologie artificielle est mise en action, elle impacte la chronologie naturelle. Voyons comment cela fonctionne. Voici une carte des stations HARP disséminées à travers le monde. Et la manière dont elles sont distribuées et reliées. Et voici une carte des lignes énergétiques de la planète Terre couplées aux chakras de la Terre et à ceux du corps humain. Lorsque l'on superpose les deux cartes, la carte naturelle et la carte artificielle, vous voyez que les stations HARP ont été placées à des endroits soigneusement sélectionnés et qui correspondent aux chakras de la Terre. Ces chakras sont des nodes, des noyaux, similaires à des moteurs énergétiques toroïdaux où les énergies déclenchent des dynamiques dont les conséquences peuvent être calculées, mesurées et contrôlées. Ce système d'énergie est le système nerveux et cognitif de la Terre, la planète étant un être sensible, doué d'intelligence, un fait que les scientifiques commencent à reconnaître. Lorsqu'une impulsion est lancée depuis un node, la foudre par exemple, l'énergie se met à circuler
le long des courbes bleues et rouges et va se fractaliser tout en se déployant. Donc, une explosion volcanique naturelle est une impulsion énergétique qui va voyager aussi le long de ces deux courbes et se fractaliser. Elle impactera en résonance les points nodaux artificiels des stations ARP. Et vice-versa, lorsqu'une impulsion énergétique ARP est déclenchée, elle va circuler le long des deux courbes bleues et rouges et impacter tous les points nodaux naturels qui, à leur tour, déclencheront des éruptions volcaniques, des tornades ou des tsunamis. Mais ces énergies impactent aussi les énergies du corps humain et les conséquences seront à la fois physiques et mentales. Elles impactent la société terrestre dans son ensemble, d'où tous les changements que vous voyez actuellement. Tout est lié. Trois mois après, car cette vidéo date du mois de mars, vous pouvez mesurer les conséquences de l'explosion artificielle des îles Tonga sur le parc de Yellowstone aux USA avec ce qui s'est produit le 12 juin 2022. Comme vous venez de le voir, le réchauffement de la planète ou le changement climatique obéissent à des lois de dynamique énergétique toroïdale et aux changements dans les cycles de la Terre. Des facteurs tels que le soleil ou une grande pollution industrielle générée par l'agriculture, les transports, la consommation d'électricité, ARP, la géo-ingénierie et les deux aspects, naturels et artificiels, sont superposés dans les présentations médiatiques. Ce sont des aspects différents qu'il ne faut pas mélanger. Premièrement, les cycles naturels de la Terre qui réagit à la pollution de l'environnement et la destruction des écosystèmes. Deuxièmement, les méthodes et moyens artificiels.
pour se saisir des changements naturels et les grossir de manière artificielle, comme avec les chemtrails, ARPA et la géo-ingénierie. Troisièmement, et enfin, les termes changement climatique superposés aux cycles naturels auxquels s'adossent les cycles artificiels sont ensuite utilisés par les médias ou les organismes gouvernementaux pour générer un contrôle et mettre en place de nouvelles taxes, le Nouvel Ordre Mondial 2.0 et l'Agenda 2030. Les fluctuations de la Terre, les mouvements des courants marins et d'autres facteurs complexes sont exacerbés et contrôlés par la géo-ingénierie et ARPA. Les stations ARPA manipulent les cycles naturels. Selon mes contacts extraterrestres, ARPA ne peut pas créer une tornade de toutes pièces, mais les stations peuvent augmenter les énergies pour les rendre plus importantes. Par exemple, augmenter une petite tornade pour en créer une beaucoup plus grosse ou changer la direction que la tornade prend. Les cycles naturels peuvent créer une sécheresse quelque part sur Terre ou de la grêle et ARPA peut accentuer la sécheresse et faire en sorte que la taille des morceaux de glace de la grêle soit aussi grosse que des œufs. Ils peuvent donc aggraver un aspect du climat selon des plans qu'ils ont programmés au détail près. Néanmoins, je souhaiterais vous mettre en garde. Il y a sur les réseaux sociaux ou sur YouTube certains groupes qui prétendent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, qu'il n'y a pas d'élévation de la température, que les villes côtières ne seront pas inondées ou qu'il n'y a pas de changement de pôle, qu'il n'y a pas de Covid et qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine. Ces groupes sont des groupes de désinformation et de théories conspirationnistes mis en place de toutes pièces par des groupes secrets de plusieurs pays. Ils ont infiltré des communautés en ligne sur YouTube, Discord, Telegram ou Meta et ils manipulent les followers qui relaient leurs propos. Ils transforment ces groupes en sectes qui transmettent haine, intolérance et fanatisme, prêts à prendre les armes. Et les participants deviennent sans le savoir des groupes de dissidents alliés à des puissances militaires étrangères, fichés comme tels dans les bases de données de services secrets. Ils essaient de nuire non seulement à leur pays, mais également contre la société humaine terrestre dans son ensemble. Ne jouez pas avec le feu sous prétexte de votre intérêt pour les extraterrestres. C'est vous que vous mettez en danger, ainsi que votre famille. Gardez les pieds sur terre. Pour ce qui concerne les champs magnétiques de la Terre, j'ai posé la question à mes contacts en 2016 de savoir ce qui se produirait si les champs magnétiques de la Terre étaient complètement inversés. Leur réponse fut « ce serait un chaos total ». Toute l'électronique cesserait de fonctionner, les animaux migrateurs mourraient. Personne ne serait averti, car les contrôleurs craindraient la panique d'une telle annonce et en raison de la dépréciation des résidences côtières ou du refus du public de travailler dans les usines et les entreprises du littoral. Les inondations pendant et après le basculement des pôles seraient encore plus dévastatrices. Des pertes de terres majeures se produiraient au cours des 2 années
suivant le déplacement des pôles, au cours desquels le niveau de la mer augmenterait de 200 mètres. Les survivants de ces marées et de ces mers montantes nageraient ou pagayeraient sur de vastes zones dans les eaux montantes, mais privés d'eau douce pour se désaltérer, ils en mourraient. Ensuite, il y aurait le taux de mortalité dû au manque de soins médicaux. Aujourd'hui, la population européenne est composée de personnes âgées, dont beaucoup ne survivraient pas sans soins médicaux modernes. Les citadins, habitués à la vie confortable, abandonneraient et mourraient en espérant que les extraterrestres viennent les sauver. Des maladies normalement et simplement traitées par les antibiotiques réapparaîtraient et la société humaine ne pourrait plus fonctionner du tout. Les réseaux électriques s'effondreraient, il y aurait des changements dans les courants océaniques et dans le climat. Pendant de nombreuses années, il y aurait des tempêtes dans des endroits étranges. La Terre ne serait plus jamais la même. D'ailleurs, récemment au Canada, une Canadienne est devenue la première patiente au monde à être diagnostiquée comme souffrant du changement climatique, après avoir développé des difficultés respiratoires suite à une vague de chaleur historique. Des centaines de personnes sont mortes lorsque les températures ont grimpé à près de 50 degrés en juin, un record canadien. Le coroner de la province a conclu que 570 de ces décès soudains étaient liés à la chaleur. L'OMS estime que les changements climatiques provoquent plus de 150 000 décès par an dans le monde. Mais malgré ces statistiques accablantes, c'est la première fois que le changement climatique est cité comme cause de souffrance par un professionnel de la santé, qui commence à apporter de la visibilité au fait que le changement climatique est en fait un danger pour la santé. Je n'ai donc qu'une seule conclusion. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Méditez. Développez le bonheur pendant que vous le pouvez. Faites de chaque minute un instant précieux et infini que rien ne viendra perturber. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.